Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la nouvelle classe qui est Pig Bean. Le nouveau personnage qui était censé être un... là en Corée, mais qui était un poisson d'avril, mais il est sorti en ce 19 août 2015. Fait que pour débuter, on va la créer. Le Pig Bean, c'est pas une joke, il a vraiment ses écouteurs. Fait que Pig Bean qui est de classe monstre. Un attaque au bout, la défense au bout, la mobilité du personnage est au bout, la difficulté est à facile, que je peux vous conseiller, c'est une classe pour débutants, d'après ce qui est marqué. Puis il est nouveau, mais il est pas encore populaire, c'est parce que la patch elle vient d'être faite. Fait que, je vous propose d'en commencer par la création. Pour débuter, il faut choisir un nom. Un nom, je vais l'appeler le Super Pink. Pink. Je vais l'appeler Pink Bean. Big Beanos, tiens. C'est pas original, mais en tout cas. Fait. On va débuter avec mon super code. Fait. Ça risque d'être plus une vidéo de découverte parce que j'ai jamais essayé ce personnage-là pour le moment. Je risque de sûrement faire des suites. Another peaceful day in Beanwall. Ouais, je vais essayer de faire les lectures. Fait que pour débuter, le Pig Bean va être très fatigué. I guess I will. Oh, je suis pas trop vite. Je suis pas bon là en anglais. Donc comme vous voyez, il y a de l'air beaucoup s'emmerder. Une fracture temporelle, un portail, est-ce que Pikmin va y aller dedans? Fait que d'après moi, ce nouveau bonhomme-là va raconter l'histoire de Pikmin, pourquoi il se retrouve au temps du temps. D'après moi. Oh. Black Pikmin. Non, Black Bean. Lequel va choisir Pig Bean? Ouf. Beaucoup d'action. Oh, t'as pas un Genesis, la portail y en est là. Côté du chef stand, ça c'est épique.
Je vous propose d'aller au Channel 2 juste pour qu'il y ait moins de people. Quand ça va être trop de monde. Quand il y a trop de monde, ben, il n'y a pas assez de place pour voir mon propre bonhomme. Ça, ça m'écœure. Je conseille de débuter avec les quêtes du début. So funny. A new place. Ok. Gotaka, calm down. If I'm gonna end you, this to the very most this I need the plan. That is what my ended daddy super secret Yeri is for. Let's go. Oh, je risque d'arrêter de lire en anglais parce que je suis très mauvais. Je risque plus de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais là, j'ai oublié de lire. Fait qu'on va voir sur le côté des stats. Fait que Big Bean, lui, il marche avec les Strange comme un warrior. D'après ce que j'ai pu voir. C'est étrange. Maintenant, avec quel genre d'arme Big Bean va se battre? Fait que pour les skills, il y a le Pink Power House. Ça a l'air d'être un combo normal. Qui fonctionne avec l'attaque. Ou ton attaque. Qui est le contrôle. Le throw. Un skill avec un gros cooldown. Je risque plus d'aller placer ça avec mon bouton A. Le bouton Umbrella. Qu'est-ce que ça fait? Umbrella, ça a l'air d'être un skill qui sert à tomber moins vite. Enfin, c'est un parapluie. Puis celui-là, ça a l'air d'être un skill qui donne des bons buffs, mais ça a l'air plus d'être un. D'être un skill passif. Puis les autres skills, ça a l'air plus d'être en montant de level. 140, tout ça, moi. Pas de point de skill. Pas de skill point comme qu'on veut. C'est côté des équipements. Y'a rien, il est tout nu. Fait que je propose de commencer les quêtes du début. D'histoire, au moins. Même pas. Ben ouais, Chief Stan. Il y a de l'air d'avoir. Hein. Il y a de l'air d'avoir une quête à terminer. Fait que le meilleur moyen pour. Pour apprendre des nouvelles endroits, il faut parler avec les gens. Je dois trouver la plus vieille personne en ville. Et regarde par là. Bonjour, content de voir. Je suis Big Bean. Je suis nouveau en ville et nouveau dans ce monde. Bien. Vous êtes plutôt rond pour un explorer. Vous êtes plus poli que les autres par ici. Je suis Stan, chef de la ville. Qu'est-ce que c'est le chef? Oh, je vais arrêter de faire ça. Fait que le chef Stan explique que c'est lui le plus vieux en ville, puis c'est lui qui est en charge de la ville.
pas mal ça. Ouais. Fait que le chef Tan a proposé au Pig Bean d'aller voir Grendel le vieux. Qui se trouve être Alenia. Fait que je propose qu'on aille le voir. Je mets un petit pointeur dans la map. Ouais, fait que je pense qu'il y a de l'air plutôt bizarre. Bizarre. Une portée assez moyenne. Pas une nouvelle classe. C'est pas si pire, au moins c'est original. Jouer un monstre qui a déjà eu le goût de jouer avec un monstre. Ça y est, l'autre skin. Déjà un bug, un problème de son. Qu'est-ce que je peux observer sur cette classe-là? C'est qu'il y a de l'air pas mal coûté cher. Oh. C'est quoi ça? Ah! Des petits achievements à faire. Pas pire. Mais il y a de l'air coûté cher pas mal en potions. Pour les débuts. Je vais aller voir Grendel qui est dans la librairie magique. Ouais. Fait qu'il faut déjà aller à Elenia. Ben non, pas à Nat. Pas à Elenia. Je suis déjà à Elenia. Mais pour une nouvelle classe, c'est assez bizarre. Fait que je risque de faire une prochaine vidéo pour la suite. Parce que là, faut que je me traîne pour aller à Elenia. Ben à Nat. Fait que... En résumé, Pig Bean, c'est une classe assez troll. On peut voir une classe assez bizarre avec des skills bizarres. Les gameplay, j'en vois pas ben le gameplay. Peut-être parce que je le maîtrise pas.
J'aimerais me pratiquer puis vous ramener avec ça une prochaine fois. Fait que je vous souhaite une bonne soirée.